démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, tient à la promotion de la dignité de la femme par la femme elle-même. Cette action à tonalité éducationnelle doit s'enraciner en elle dès la tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, rappelle la première dame de la République démocratique du Congo. Ce message fort de la dignité de la femme, elle a transmis à la ministre du Genre, Famille et Enfants, Marie-Ange Loukiana, qu'elle a reçue le jeudi 3 mars 2011 à Kinshasa, en prévision des festivités de la Journée internationale de la femme que la RDC va célébrer avec faste, autant que d'autres nations du monde. Oui, papa, avec la maman première dame, je suis venue pour que nous puissions checker l'état d'avancement des préparatifs, des activités inhérentes à la Journée internationale de la femme, mais également du mois de la femme, qui est le mois de mars. Elle a regardé le programme, le niveau d'organisation, le niveau de préparatifs, et également de checker quels sont les points forts et les signaux forts que nous devons lancer tout au long du mois de mars. La Société nationale d'assurance poursuit le